Voilà, donc moi j'étais dans la team Angel Livrable avec, deux questions, Laurent, Laura et Andrea. Voilà. Donc ce qu'on a fait, donc le livrable consiste en trois documents. Donc on a l'étude de la concurrence, le cahier des exigences et le schéma d'architecture. Donc ce qu'on a fait dans l'étude de la concurrence, c'est un affinage du questionnaire client. Bon, ça vous dit rien, mais en fait, c'est pour vous dire au moins ce qu'on a fait dedans. Cahier d'exigence, donc je ne sais pas si je décris les documents. Brièvement, peut-être. Ouais. Alors, l'étude de la concurrence, c'est juste pour. On doit regarder ce que fait, par exemple, Microsoft, Google, etc., sur des fonctionnalités recherchées dans Open Messenger et les comparer. C'est savoir qu'est-ce qu'ils font. Le cahier des exigences, c'est pour. On doit spécifier qu'est-ce qu'on. Les exigences fonctionnelles du Open Messenger, en fait, tout simplement. Et le schéma d'architecture, c'est un schéma qui représente l'architecture de Open Messenger. Alors, voici le. Bon, c'est un premier draft, hein, c'est un peu moche. Du schéma d'architecture de Open Messenger. Donc, en fait, j'ai repris. C'est pas si moche, c'est un peu pire. Donc, j'ai repris le schéma d'OpenPass et j'ai enlevé les anciens partenaires d'OpenPass et j'ai mis ce qu'il va y avoir d'OpenPass NG. Donc, les points importants, c'est le blin et la visioconf avec l'analyse vocale. Là, aussi important, les recommandations avec le big data et l'analyse. J'ai mis Spark, bon, a priori, ça sera peut-être ça, mais. C'est pas sûr. Hein. Donc voilà, la recommandation, Blin, et important aussi l'App Store en bas avec les services. Et aussi un autre point important, c'est le document collaboratif ici, là. Donc c'est les points importants du OpenPass NG. Parce que le reste, c'est du OpenPass standard.